Et bonjour, bonsoir, chers amis voyageurs. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je vous fais cette petite vidéo. Là, vous avez peut-être déjà eu l'info, mais je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo sur le sujet. Hello Games, Sean Murray a annoncé, alors j'essaie d'être calme, a annoncé la prochaine grosse mise à jour qui arrive la semaine prochaine, qui s'appelle The Abyss, les abysses. On va faire le point un petit peu de ce qu'on sait. On sait pas grand-chose, mais on va faire le point quand même rapidement. Alors, vous pouvez trouver, comme d'habitude, sur le site de nms-france.fr, le site de la communauté francophone, vous pouvez trouver tout le texte qu'on a traduit en français déjà. Donc voilà. Bonjour à tous. No Man's Sky Next a été lancé il y a quelques mois à peine. Nous avons été complètement dépassés par la réponse positive. Nous sommes ravis de faire ce voyage avec vous. Au cours des mois qui ont suivi sa publication, nous avons ajouté chaque semaine de nouveaux contenus gratuits, des missions communautaires et des améliorations à No Man's Sky. De petites fonctionnalités telles que permettre aux joueurs de personnaliser la forme de leur corps, à de grands ajouts au jeu tels que la moto Pilgrim et à des fonctionnalités associées telles que l'ajout de classement de découverte à l'Atlas Galactique permettant à la communauté de suivre les progrès entre factions. Nous avons apprécié la publication de mise à jour hebdomadaire sur le développement et la mise en évidence de ce que les joueurs font dans notre jeu. C'est tellement gratifiant et souvent très touchant de voir comment No Man's Sky et la communauté ont grandi et évolué. Nous avons écouté attentivement et nous travaillons dur à la résolution de problèmes et à des améliorations. Nous voulions partager un peu de nouvelles des coulisses. Bien que la plupart des membres de l'équipe aient été occupés par des mises à jour hebdomadaires, quelques-uns travaillent sur autre chose. Notre première mise à jour intitulée depuis Next, c'est-à-dire la première mise à jour nommée, grosse mise à jour donc, et pas petit patch, depuis Next. Une nouvelle mise à jour gratuite sera disponible la semaine prochaine pour tous les joueurs. Nous l'avons appelée les abysses, car elle met l'accent sur certains des éléments les plus étranges de No Man's Sky, conformément au thème de cette saison. C'est une autre petite étape d'un voyage plus long pour nous. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Sean. Et donc, mise à jour la semaine prochaine, orientée complètement sur les fonds marins, a priori. Alors, on n'en sait pas plus. Ils avaient dit qu'ils étaient très très excités, qu'ils avaient hâte de pouvoir partager des infos avec nous. On a la première info, c'est-à-dire le nom de la mage et probablement vers quoi elle se tourne. C'est probablement du lore, très probablement. Mais on a plein de petites infos. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais on a plein de petites infos grâce au data mining. Mais on sait notamment que il va y avoir, alors je vous détaille pas tout, mais on sait que notamment le jetpack va avoir des systèmes d'économie d'énergie pour quand vous êtes sous l'eau, être plus efficace sous l'eau qu'il ne l'est à l'heure actuelle. La possibilité d'avoir un routeur d'oxygène qui réoriente l'oxygène du système de survie vers la respiration. Donc une deuxième respiration a priori. Le fait que le fameux Nautilon, le fameux sous-marin, il sera placé un peu comme dans Subnautica, dans une pièce étanche. Il aura sous l'eau une pièce étanche. Donc ça, c'est carrément intéressant. C'est du data mining, ça n'arrivera peut-être pas tout de suite, mais c'est prévu. Différentes créatures, donc spécimens séduisants, palourdes blindées, horreur abyssale, clam pearl, une perle de palourde fantasy. Et d'autres choses, évidemment des nouveaux consommables notamment pour le sous-marin. Le fait, alors, un truc un peu bizarre pour l'instant, c'est que le Dragonfly, c'est-à-dire la libellule, l'Overcraft qui est prévu, vous savez, qui a été data miné depuis quelques patchs, et dont on se posait la question de son utilité par rapport à l'autre Overcraft qui était celui qu'on avait déjà, bizarrement, il semble vouloir qu'on l'utilise sous terre. À voir comment, dans quelles conditions, quelles sont les raisons de ça, mais voilà. On voit en plus de ça, donc dans le data mining, on voit qu'il y a des nouveaux assets, donc le corail courbé, les cristaux aquatiques, une genre de plante. Alors ça, c'est peut-être le nouveau nom du sac de Varek, et des petits objets, enfin des nouveaux assets sous l'eau. Donc a priori, je vais pas m'étaler, mais a priori, il y a une refonte de l'environnement sous-marin, ou en tout cas une évolution monstrueuse des environnements sous-marins, puisqu'ils ont une mage à eux tout seuls. Je pense, sans trop m'avancer,
qu'il y aura du lore et il y aura probablement une suite de l'histoire sous l'eau. On verra, peut-être que je me trompe, mais il y a des grandes chances que c'est comme ça que ça se passe. Voilà, vous savez l'info, la mise à jour No Man's Sky The Abyss sort la semaine prochaine. Logiquement, à vue de nez, vu qu'il l'a planifié plutôt pour Halloween, semble-t-il, elle devrait tomber avant jeudi. Moi, je suis sur Expérimental, donc je n'y aurai pas accès avant vous, normalement, puisque les grosses matchs comme ça ne sont pas diffusés sur Expérimental. Donc, à mon avis, on chope la mage avant jeudi, et donc ça veut dire un trailer en début de semaine prochaine. Très probablement, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a toujours un trailer avant la mage, donc il n'y a pas de raison que ça change. Voilà, comme d'habitude, pour les petites vidéos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description de la vidéo. On en parle évidemment ce soir à 21h15 sur le live. Évidemment, on va parler et voir un peu ce que vous attendez par rapport à ça. Les likes et les partages de la vidéo pour qu'elle soit vue et que les gens aient l'info. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure, je me calme, je bois un café. Non, ça c'est pas compatible, pardon. Je bois un café et puis je me calme après. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonne soirée, ciao.